Bonjour à tous et bienvenue sur CBET. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau dossier de CAPES de mathématiques. Ce sera le sujet numéro 17 de 2016. Le thème de ce problème sera les probabilités. Alors, c'est parti, on va lire l'énoncé ensemble. On dispose de 12 figures d'un jeu de cartes. Les 4 rois, les 4 dames et les 4 valets. On tire au hasard, successivement et avec remise, 6 cartes du jeu. Déterminez combien on peut espérer obtenir de rois en moyenne. Deuxième question. On tire maintenant au hasard, successivement et avec remise, n cartes du jeu. Déterminez la valeur minimale de n, donc avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99. On obtienne au moins un roi. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, cet élève dit que il a noté x, la variable aléatoire qui donne le nombre de rois, et ensuite, il calcule l'espérance de x en citant son cours. Bon, là, donc là, pour la première question, ce sera à peu près suffisant. Donc, si on note x, la valeur aléatoire qui donne le nombre de rois qu'on a tiré, x suit la loi binomiale de paramètre 6 et de probabilité 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'on a tiré 6 cartes du jeu et que la probabilité de tirer un roi dans une des tirages, dans un tirage, eh bien ça va être 1 tiers. Il y a 12 cartes au total, 4 rois, donc 4 douzièmes est égal à 1 tiers. Donc x, ça suit la loi binomiale 6, 1 tiers. Donc l'espérance, donc combien le nombre de rois peut-on tirer en moyenne? Eh bien c'est égal à n fois p, 6 fois 1 tiers, 2. Donc on peut tirer en moyenne 2 rois dans 6 tirages avec remise. Donc voilà pour la question A. La question B. Donc pour la question 2, on va noter xn. Donc si on a xn, donc n quart du jeu, on note xn, le nombre de rois qu'on a obtenu après n cartes, tirage de n cartes. Donc xn suit la loi binomiale de paramètre n, 1 tiers. Toujours 1 tiers. On a toujours 4 cartes rois, 4 cartes dames et 4 valets. Alors, on veut calculer l'inéquation suivante. Donc pxn, donc xn c'est la variable aléatoire de nombre de rois tirés quand on a n cartes dans le jeu. Donc quand on tire successivement n cartes dans le jeu et avec remise. Donc on veut p de xn supérieur ou égal à 1, supérieur à 0,99. Or, l'événement contraire de xn supérieur ou égal à 1, donc c'est xn est égal à 0. Donc p de xn supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins p de xn est égal à 0. Donc ça, on a 1 moins p de xn égal à 0 supérieur ou égal à 0,99. Donc p de xn est égal à 0. Alors p de xn est égal à 0, inférieur ou égal à 0,01. Parce qu'ici on a un moins, donc quand on divise par moins 1, on change l'ordre de l'inégalité. Et ça, donc par la formule binomiale, de dire 2 tiers puissance n inférieur ou égal à 0,01. Alors petite précision, la question que le dossier nous propose, c'est donner une correction comme si vous étiez face à une classe de première. Alors, comment résoudre cette équation, une équation en première? On ne peut pas utiliser le logarithme, hein, puisque normalement, pour résoudre des équations de puissance, il faut utiliser les fonctions logarithmes pour pouvoir trouver la solution. Mais ici, on n'a pas cet outil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une résolution par tableur. Donc, ça, c'est en première S. Bien entendu, en terminal S, on pourra utiliser logarithme.
C'est ce qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, on va faire le tableur. Et ensuite, on va résoudre niveau terminal S par l'équation, par l'utilisation de la fonction logarithme. Alors, le tableur. Donc, j'ai fait la simulation sur tableur. Donc, la voici. Donc, ici, j'ai mis 0. J'ai tiré la colonne jusqu'à arriver à 20. Et ensuite, j'ai mis égal 2 tiers chapeau cette cellule-là. Et j'ai tiré pour arriver à voir les valeurs suivantes. Donc, on veut 2 tiers puissance n inférieur ou égal à 0,01. Donc, on arrive ici. Donc là, on est à 0,011 et 0,007. Donc ici, donc ça va être à partir de n. N doit être supérieur à 12. À partir de n supérieur à 12, on a 2 tiers puissance n inférieur ou égal à 0,01. Alors comment on résout au niveau terminal S? Donc 2 tiers puissance n inférieur ou égal à 0,01. Eh bien, on dit que ça, c'est n ln de 2 tiers inférieur à ln de 0,01. Donc là, on dit que a puissance b, c'est exponentielle de b ln de a. Donc on applique exponentielle ici. Exponentielle de b, donc exponentielle de n ln de 2 tiers. Et pour se débarrasser de l'exponentielle ici, il faut appliquer la fonction ln. Donc ln de e, ben, ça disparaît. Et on a ln de 0,01. Donc n ln de 2 tiers inférieur ou égal à ln de 0,01. Donc n supérieur à ln de 2 tiers est négatif. Donc on doit changer l'ordre du signe. Donc ln de 0,01 sur ln de 2 tiers. Et ça, après calcul, on trouve n supérieur à 11,3. Donc n doit être supérieur à 12 si on veut arriver en entier. Donc à partir de n égale à 12, la probabilité de tirer au moins un roi est supérieure ou égale à 0,99. Bien voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.